Salut à tous les gars, on se retrouve pour le petit débrief de PSG Clermont victoire 4-0 à la maison. Comme vous pouvez le voir, je vais me dépêcher parce que les stadiers sont en train de faire passer le message de partir. Vidéo assez spéciale comme vous le voyez. Alors deux défis pour moi, d'abord tourner avec les ultras et ensuite débriefer un match que j'ai regardé en direct au Parc des Princes. Comme vous voyez, j'étais juste au bord de la pelouse là au quatrième rang derrière moi. J'ai vu en première mi-temps Achraf Hakimi, toujours aussi excellent, super match aujourd'hui d'Achraf Hakimi, encore une fois sur son côté droit, très explosif, très vif, et surtout on sent que son duo avec Kylian Mbappé va faire beaucoup, beaucoup de mal cette saison en Ligue 1. On sait aussi que de l'autre côté, comme aujourd'hui, hein, les absences de Di Maria, de Neymar qui joue la moitié des matchs, Lionel Messi qui commence à se faire vieux et qui va jouer en sélection notamment sur cet automne et cet hiver, eh bien je pense que c'est ce duo qui va faire le plus de mal aux défenses de Ligue 1 et le plus de bien pour le PSG en termes de régularité bien évidemment. Alors c'était aussi le match des milieux de terrain puisqu'on a assisté à 3 buts, hein, 2 de Ander Herrera et un d'Idrissa Gueye qui concrétise encore une fois son super début de saison. Au niveau du match, bien évidemment, Mauricio Pochettino avait une composition assez remaniée. Les débuts de Donnarumma, alors j'ai été assez surpris de tout l'amour que les supporters lui ont offert. C'est absolument incroyable et je pense que s'il gère bien et sa communication et ses performances, il deviendra rapidement un des chouchous du Parc des Princes. Il est actuellement derrière moi, je suis obligé de partir. Voilà, au niveau de bon, son match, il n'y a pas grand-chose. À un moment, il y a eu une petite dinguerie avec ses pieds. Sinon, dans le comportement, il harangue sa ligne défensive. Il est toujours en train de parler. Et on l'a vraiment senti touché, en fait, hein, par tout ce qu'il a reçu du Parc des Princes, à l'échauffement, lorsqu'il est rentré sur la pelouse. Et je crois aussi au début de la seconde mi-temps, puisqu'il était juste devant la tribune Auteuil. Voilà, sinon, en termes de pressing, c'était un match très plaisant, très plaisant. On va aussi avoir un petit mot quand même pour Clermont qui font leur match ce soir. Alors pour se maintenir, pas de problème pour eux. On leur souhaite le meilleur. Merci à eux de ne pas avoir refusé tout simplement le vrai football et s'être livré ce soir. Alors bien sûr, ils repartent avec la valise, le 4-0 qui fait mal. Mais dans tous les cas, ils ne se sont pas agglutinés en défense. Ils ont joué, ils n'ont pas hésité à presser, c'est aussi ce qui leur a fait du mal. Et sur les deux buts d'Ander Herrera, on voit très clairement, je crois qu'il y a eu une autre séquence aussi, dans laquelle tu vois que dans l'axe, la répartition de l'espace occupé par les joueurs est vraiment mauvaise, ça leur a vraiment fait défaut. Et au final, ils prennent deux buts d'Ander Herrera qui ne sont absolument pas anodins. Alors de son côté, il s'est mué évidemment en renard des surfaces, c'est absolument incroyable, voilà, d'être là au bon moment. On souligne encore une fois l'énorme travail d'Achraf Hakimi sur l'un des deux buts. Et sinon, il était un peu tout seul en fait, hein, sur les deux buts. Il manquait vraiment la présence d'un homme dans cette surface de réparation, peut-être au point de pénalty. C'est ce qui a vraiment fait défaut à Clermont ce soir. Et puis sinon, bon, Kylian Mbappé bien sûr, qui n'a toujours pas parlé dans les médias par rapport à son été, qui laisse parler le terrain. Et quelque part, est-ce que c'est une bonne solution? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, le terrain parle mieux que n'importe qui, évidemment. Et lui, le premier, encore une fois, ce soir, il marque. On va noter aussi, alors, Draxler, c'est quelqu'un qui divise beaucoup. C'est toujours très difficile de juger ses matchs parce que l'engagement, bah, on peut revenir là-dessus, mais techniquement, encore une fois, ce soir, c'est très, très propre. C'est vrai que Draxler, techniquement, on peut avoir beaucoup, beaucoup de regrets parce que beaucoup de marge de manœuvre, une palette technique très 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 diversifié. Rafinha, alors Rafinha perso, bon, je le mets un petit peu au niveau des flops, je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Là encore une fois, tu reviens au même débat, hein, au débat des jeunes bien sûr, parce que ce soir il a paru cramé tout simplement au bout d'une demi-heure. Techniquement, bon, parfois il a fait quelques petits éclats parce qu'il a des qualités techniques, il est assez créatif. En termes de pressing, au début du match, tu sentais qu'il mettait de l'impact, mais il était tout simplement mort. Alors, c'est évidemment une question de rythme aussi, mais on sait tous que Rafinha n'est pas réputé pour celui qui a le plus de coffres, surtout sur toute la durée d'un match, tout simplement. Donc, ce soir, c'est vrai qu'il aurait été préférable, peut-être, hein, de voir un Xavi Simons, un Michu, par exemple, qui sont relégués en U19, ou un jeune, tout simplement. Ça, on en revient à la politique des jeunes au PSG. Et puis Rafinha, puisque de l'autre côté, de toute façon, on le connaît son sort. Hein. On sait tous que dès janvier, ça va lui chercher une porte de sortie. Et si ce n'est pas en janvier, ce sera l'été prochain. Voilà, on espère évidemment pour lui, parce que c'est un bon joueur.
qui n'aura jamais sa place au PSG, et même dans la rotation. Kimpembe qui est sorti sur blessure, alors je pense que c'était quand même quelque chose de prévisible. Marquinhos a fait son match, Abdou Diallo aussi, de ce que j'ai vu globalement, c'est pas trop mal. Danilo, alors bon, là c'est vrai que l'alignement à trois défenseurs sur certaines séquences, notamment à la relance, qui offre au gardien des solutions latérales avec les deux centraux et Danilo dans l'axe. Bon, son match, il l'a fait, mais pas grand-chose de brillant, on va dire, à signaler. Alors, Ander Herrera, on va y venir, évidemment. En termes de pressing, il est très bon. Alors, on signale aussi quand même que cette période de l'année, c'est la sienne. Il est souvent très, très bon au début de la saison. Là, techniquement, il a eu le sang-froid d'abord, c'est dans la tête, et puis ensuite, le geste juste pour terminer les deux actions qui lui offrent ces deux buts qui sont absolument mérités, parce que voilà, il fait un bon début de saison, c'est un bon communicant, c'est aussi un joueur avec une bonne mentalité, évidemment, dans plein de mesures. D'abord parce que ça a l'air d'être un bon garçon, et puis ensuite parce que tu peux le reléguer assez facilement dans ta hiérarchie. Voilà. Alors, il y a eu aussi Keylor Navas qui n'a pas pris part à l'échauffement. Quand je l'ai vu, je me suis dit peut-être qu'il n'est pas sur la feuille de match, mais comme il a fait un détour au camp des loges hier alors qu'il sortait d'un long trajet d'avion, ça m'a paru assez étonnant, et au final il était bien sur le banc. Attention, moi je pense, de toute façon, je ne veux pas être mauvaise langue bien évidemment, mais je pense que ce poste de gardien Donnarumma, Keylor Navas, en plus Sergio Rico, hein, qui ne vient pas mettre que du bon là-dedans, va sûrement être le secteur le plus difficile en termes d'ego et de personnes à gérer pour Mauricio Pochettino. Voilà, parce que devant, la répartition des temps de jeu sera assez facile. Alors que le poste de gardien, là, tout doit être très clair, évidemment. Et puis, on a quand même affaire à deux gros gardiens. Voilà, je suis dans les rues de Paris en train de rentrer tranquillement. Ce petit match 4-0, très très plaisant, au Parc des Princes, encore une fois beaucoup d'ambiance. J'aimerais aussi avoir un petit mot pour le changement de musique, hein. Phil Collins qui est, on va dire, décalé, pas abandonné, puisqu'il est joué lors de l'échauffement au Parc des Princes, remplacé par Didier Schneck. Alors, on sait tous que le PSG est un club qui grandit, comme toute entreprise qui grandit, hein. Milan a supprimé le San Siro, l'a détruit tout simplement, un lieu historique, mythique. Quand tu évolues, évidemment, ça entraîne des choix très compliqués. Tu t'ouvres à de nouveaux supporters qui ne sont absolument pas issus du noyau historique. Et plus le temps avance, plus on se rend compte qu'en fait, le noyau historique des supporters, ceux qui font vivre le stade et le club, bien évidemment, leur voix, elle pèse de moins en moins. Là, c'est évidemment les mauvais effets, on va dire, de la politique menée par le club au niveau marketing. Bon. Perso, c'est vrai que Phil Collins, moi, c'est juste une question de goût. J'adorais. Moi, j'adorais. Ça me donnait des frissons. Il y en a aussi qui n'aimaient pas, tout simplement, et qui, du coup, se réjouissent du fait que Phil Collins parte. Et puis, le son de DJ Snake, je le trouve vraiment rien d'exceptionnel, en fait, hein, tout simplement. C'est juste une question de goût. Voilà, c'était mon petit avis. Mais bien sûr, on ne peut pas refuser, on ne peut pas reprocher au club d'évoluer, évidemment. Alors là, c'est vrai que tu renies un aspect absolument historique, hein, du club qui est le PSG. Mais voilà, dans toute évolution, quand tu veux t'agrandir et surtout t'ouvrir au monde, il faut faire des choix. Et plus le temps avance, plus on se rend compte que le cœur historique des supporters parisiens sont de moins en moins écoutés. Et puis après, bon, il y a aussi la dimension du fait que DJ Snake soit d'abord un supporter parisien. Alors on peut se demander qu'en tant que supporter parisien, pourquoi il a accepté. Alors même s'il doit avoir beaucoup de fierté, il doit aussi être mesuré et nuancé, parce que ça fait quand même quelque chose, hein, Phil Collins, que ce soit nous ou pas derrière lui, ça fait quand même quelque chose avant de voir DJ Snake, de voir Phil Collins partir. Et puis voilà, du côté du club, la volonté de mettre en avant l'Île-de-France. Il pèse quand même, hein, DJ Snake, c'est incroyable. Je crois que c'est 25 ou 27 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Enfin bref, c'est un truc de débile mental. Bon, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. 9 minutes, n'hésitez pas à me donner vos retours, parce que je me suis essayé à un exercice assez difficile, surtout que je ne pouvais pas me poser dans un endroit. Au Parc des Princes, ils nous ont virés de suite. Vous l'avez vu au début du débrief, hein, le vigile qui est venu nous demander de partir. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se dit à très vite, demain ou après-demain, pour une vidéo que j'ai enregistrée au Trocadéro devant la Tour Eiffel, et puis plein d'autres vidéos qui sont évidemment en préparation. Allez, ciao, merci au PSG pour ce match plaisant, rien à dire sur Mauricio Pochettino, bon pressing, bon rythme cet après-midi, surtout pas de faux rythme, pas de deuxième mi-temps haché, on va dire, ou du moins bien moins intéressante que la première, et voilà. Très bonne soirée à tous. Ciao.